pouvons dire merci pour toute bénédiction. Nous disons merci pour la responsabilité que nous avons pour nous capables de sauver Timounio. Et puis nous disons merci pour la capacité que nous avons pour nous capables d'accomplir la mission. Nous sommes là, papa. Nous demandons avec tout cœur, nous, avec toute force, nous, pour nous capables de protéger nous, pour nous capables d'aider nous, pour nous arrêter. Qui nous besoin d'arrêter. Tant pis guider nous, tant pis marcher ensemble avec nous, protéger nous chaque. Et tant pis faire certain que nous sommes capables d'accomplir la mission que nous décidons d'accomplir. Nous remercions encore pour tout ça fait pour nous. Tant pis venir nous fournir. Il y a une histoire que nous aimons raconter. Un jeune garçon est sur une plage et il jette des étoiles de mer dans l'océan. Un homme plus âgé s'approche du jeune garçon et lui dit « Mon garçon, qu'est-ce que tu fais ?» Il répond « Titus est bas, le soleil est haut. Et si je ne les remets pas toutes dans l'océan, elles vont se ratatiner et mourir. » L'homme montre au garçon du doigt et dit « Regarde la plage, regarde le rivage. Il y en a des millions ou des milliers. Il n'y a aucun moyen de toutes les ramener. Penses-tu que tu vas y changer quelque chose ?» Le jeune garçon réfléchit un instant, puis recommence à lancer les étoiles de mer dans l'océan, puis se retourne vers le monsieur âgé et dit « Je ne sais pas, mais je sais que ça fera une différence pour celle-ci. » Merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci. Merci, bonjour, c'est formidable de vous voir aussi nombreux, merci. À chacun d'entre vous qui êtes venu aujourd'hui pour soutenir les efforts de l'UTAH dans la lutte contre cette horrible organisation maléfique que nous appelons la traite des êtres humains avec plus de 40 millions d'esclaves des temps modernes. Beaucoup d'entre vous connaissent ce problème, le combattent et y travaillent depuis des années. Certains même depuis des décennies, c'est une organisation qui existe depuis bien longtemps. Mais c'est seulement maintenant que le grand public commence à en prendre conscience. Et donc, il y a un peu plus de 4 ans, un de mes amis, qui était une superstar dans le milieu des forces de l'ordre, qui était un agent spécialisé avec des compétences très particulières, a quitté son poste dans les forces de l'ordre et tous les avantages qu'il avait. Sa pension, sa sécurité pour lancer une opération à but non lucratif appelée Opération Underground Railroad. Ils ont fait des interventions partout dans le monde, ont sauvé des enfants et les ont ensuite aidés à se rendre dans un endroit sûr grâce à leur programme de suivi. Tim Ballard, êtes-vous ici? Pouvez-vous monter pour que nous puissions vous féliciter? Je serai bref pour évoquer l'histoire en 1791, lorsque la population haïtienne s'est soulevée et a détruit l'esclavage dans leur pays. Cela a été mené par Toussaint Louverture. Les abolitionnistes en Amérique regardaient ça. Frederick Douglass a observé cela et il s'en est inspiré et quand l'esclavage a finalement été éradiqué légalement, parce qu'il n'a pas été éradiqué dans les faits, Frederick Douglass a dit « N'oublions pas les fils et les filles d'Haïti, qui sont les véritables pionniers de l'abolition au XIXe siècle. Pour tout le reste, nous nous en remettons à Dieu et prierons pour nous tous pendant que nous prendrons l'avion. Ceci dans les prochaines 24-48 heures. Nous exécuterons cette opération et je suis certain que ce sera un succès. » Je vous remercie beaucoup. Nous avons identifié presque 4 trafiquants. Nous attendons juste votre décision. Je pense que nous devrions faire 2 équipes d'arrestation et les attraper le plus simultanément possible. Oui, monsieur. Nous allons avoir absolument besoin de votre aide sur ce point. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes ici pour discuter des préparatifs de ce qui nous réjouit tant.
C'est un jour que nous attendons depuis longtemps et nous voulons remercier mon collègue, procureur général Mucnam, qui est ici avec son équipe, et ensuite nos amis de la DCPG, la police judiciaire d'Haïti. Notre philosophie est que peu importe le pays auquel les enfants appartiennent ou dans lequel ils sont nés, ce sont tous nos enfants et nous voulons tous les protéger. Mais parfois les gens de notre pays nous demandent pourquoi vous allez à Haïti, pourquoi passez-vous ou pourquoi le procureur général passerait-il du temps dans un autre pays? Nous avons besoin de vous ici et notre réponse est la suivante, pour les crimes mondiaux comme la traite des êtres humains. Nous ne pouvons pas prétendre que cela se produit uniquement aux États-Unis, alors nous y travaillons ici au niveau national pour que nous puissions protéger nos amis et alliés et aussi nous protéger nous-mêmes, afin que cela n'arrive jamais aux frontières des États-Unis. Les États-Unis créent la demande. Le plus grand producteur et consommateur de pornographie enfantine se trouve ici, aux États-Unis. Nous savons donc que ce sont nos compatriotes qui sont à l'origine de ce phénomène. Et parce que nous avons la même culture que ces compatriotes malfaisants, nous pouvons accéder rapidement à l'obscurité, au mal, et demander à la police si vous aviez des opérateurs qui pouvaient s'infiltrer dans le ventre de la bête, dans les endroits les plus sombres, et trouver ces enfants. Et j'ai répondu que oui, nous le pouvons. Quelque chose m'est arrivé une fois. C'était après avoir quitté le gouvernement, et j'étais déjà avec l'opération Underground Railroad, et j'étais sur le point d'aller dans ce complexe à Port-au-Prince, à Haïti. C'était un centre de trafic, et ça ressemblait à un orphelinat vu de l'extérieur. Il y avait écrit « orphelinat » sur les murs, et la police nous a demandé d'y entrer sous couverture, comme si nous allions acheter des enfants. Et je me souviens d'être assis à l'extérieur, près de la porte, et j'ai toujours dans ma tête, vous savez, mon problème avec moi, c'est que j'ai 7 enfants. Donc, tout enfant que nous cherchons à sauver, à la minute où je vois cet enfant, oh, il a 6 ans, j'ai un enfant de 6 ans, oh, il a 10 ans, j'ai un enfant de 10 ans. Et donc, mon esprit met en projection, vous savez, je veux dire, le visage de mon enfant sur le visage de cette petite victime. Je me suis battu, et j'ai lutté. Et c'est ainsi que j'ai réussi à le dépasser, à cause de ces premières expériences d'association qui m'ont presque détruit. Et alors, je me tenais à l'extérieur de l'orphelinat, quelque chose s'est produit, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu 28 enfants. C'était plus que ce que j'avais jamais vu. Et là, ça se produit. Oh mon Dieu, il y a Blaine, il y a Jimmy, il y a Sam. Vous savez, tous mes enfants sont là. Et je me souviens d'avoir été en dehors de cet endroit. Et j'ai pensé, je ne vais pas arriver à le faire. J'ai dû le prendre sur moi. Je devais acheter un enfant. Ces gens pensent que nous sommes ici pour acheter des enfants. Et ils ont été très clairs. Dès les 5 premières minutes, ils ont dit, vous savez, c'est pas de l'adoption d'enfants, hein, nous vendons des enfants. Bien sûr, c'est pour ça que nous sommes ici. Et je vois ce petit garçon qui se promène dans ce bâtiment sombre. Il entre dans la cour de cet endroit. C'est un endroit sale. Ça pue. Ça sent. Ça sent l'urine et les excréments. Et c'était horrible. Et je suis allé voir ce gamin et je l'ai pris dans mes bras. Et c'était comme mon enfant. Vous savez, j'ai vu mon enfant et il est devenu mon enfant. Donc, quand je le tiens et mon partenaire négocie avec les méchants à propos du prix, et oh, je pense que vous voulez celui-ci, d'accord. Et ces horribles personnes essaient de vous... Vous savez, ils nous donnent des conseils sur la façon d'échapper à la police et comment ils ont fait cela avant pour les faire sortir du pays. Alors j'ai le gamin dans mes bras et je veux aller voir dans la dépendance sombre qui se trouve autour du complexe. Mais je ne veux pas avoir l'air trop curieux. Alors je fais semblant, vous savez, de communiquer avec les enfants. Le fait d'avoir des enfants, je sais comment faire. Je le fais pointer du doigt dans la pièce comme s'il allait me montrer quelque chose. Et je regarde les méchants et je leur fais comprendre que l'enfant veut me montrer quelque chose. Et ça marche et ils sont OK. Alors je suis rentré là-dedans.
Et ça puait de plus en plus. Et quand je suis entré à l'intérieur de ce bâtiment sombre, c'est devenu de plus en plus silencieux, à mesure que je m'éloignais des bruits de la rue et des autres enfants qui jouaient dehors. Et plus le calme s'installait, plus j'étais capable d'entendre ce qui avait été toujours là, juste derrière moi. Et c'était les pas de ce petit enfant qui me suivait. Et je me retourne, et il y a cette petite fille qui me regarde, et je n'ai pas voulu attirer l'attention, alors je lui donne une barre chocolatée. Oui, ces enfants sont affamés. Elle prend cette barre de chocolat, et elle me regarde, puis elle regarde en retour ce petit garçon dans mes bras, et sans le quitter des yeux, elle la casse en deux, et lui en donne. Et je me dis que ce n'est pas normal. Et alors, ça m'a sauté à l'esprit. Oh mon Dieu, ils sont frères et sœurs. Et elle est horrifiée, parce que combien d'Occidentaux sont venus ici et ont pris un enfant. Et cet enfant a disparu et on ne l'a jamais revu. Et c'est tout ce qui lui reste dans sa vie. Et ces adultes essaient de le vendre. How old is she? Nine? You're nine? How long has she been here? How long has she been here? 4 years. 4 years. Toutes les 30 secondes, un enfant est vendu. Il est vendu pour le sexe, il est vendu pour le travail, il est vendu pour le prélèvement d'organes. Voilà la chose pour laquelle nous nous engageons maintenant. Il y a 6 millions d'enfants qui sont vendus de force et entrent dans l'une de ces trois catégories en ce moment même. L'esclavage moderne est vraiment le fléau de notre génération. Si l'on considère qu'il y a aujourd'hui plus de personnes réduites en esclavage que jamais dans l'histoire du monde, et que le monde ne le sait pas, nous devons le réveiller. ¿Cuáles son el trato especial o las restricciones para las vírgenes? Porque en el pasado hemos tenido experiencias, están llorando, no quieren. Que diga eso, que me hable. Yo voy, y si hay una persona que está mal, yo voy y ellos van y van a ser como firing squad. 15. Me gusta. C'est un sujet auquel personne ne veut penser ou dont personne ne veut parler. C'est bien la partie du problème. C'est tellement moche que c'est la pire partie de l'humanité et pourtant, il faut faire quelque chose à ce sujet. C'est le serpent qui se prend la queue. Personne ne veut en parler. Personne ne veut rien faire. Tout le monde, c'est juste, ça me rend fou de voir à quel point tout le monde se dispute, à savoir qui seraient les plus grands abolitionnistes si on montait dans le temps. Mais que faites-vous pour ce qui se passe de nos jours? Et ce n'est pas que vous ne feriez rien, mais c'est juste que vous ne voulez pas le voir en face. Parce que j'imagine que beaucoup de gens se disent « Ouais, c'est bien, mec, c'est un travail génial qu'ils font, mais ils s'assoient vraiment, mec, genre s'asseoir pendant 10 minutes et réfléchir vraiment. Si tu faisais ça. » Ça m'a bouleversé de penser qu'à notre époque, des gens
adultes et enfants, sont retenus contre leur gré et vendus à l'heure qu'il est à des étrangers pour être violés, et que c'est ça leur vie. Les gens me demandent qui sont ces sales mecs, qui sont ces gens, et je dois leur dire que c'est n'importe qui. Tous ceux que vous pouvez imaginer, tous ceux que vous voyez dans la rue, ce sont des professionnels, des médecins, des avocats. C'est le jour du jugement pour l'ancien médecin de MSU, Larry Nassar, pour avoir abusé sexuellement des gymnastes dont il avait la charge. Vous êtes médecin. Vous avez prêté serment de ne pas faire de mal et vous avez fait du mal à plus de 256 femmes. Cela dépasse l'entendement. Le juge a également déclaré que Nassar a pu s'en tirer avec sa conduite sexuelle criminelle pendant 25 ans. Voilà ce qu'il en est. Ce qui est stupéfiant, c'est que l'on estime qu'il y a plus de 2 millions d'enfants. Et je ne parle même pas des adultes. 2 millions d'enfants actuellement forcés à être des esclaves sexuels. Un viol pour de l'argent. 2 millions. Quel genre de demande? C'est une question effrayante. Quel genre de demande justifie ce chiffre de 2 millions d'enfants? Ça fait beaucoup de pédophiles malades et tordus. Jared Fagol est arrivé ici au palais de justice fédérale ce matin. Il n'avait rien à dire. Il plaide coupable de conspiration pour avoir reçu et distribué de la pornographie enfantine. Et aussi pour avoir voyagé hors de l'État pour se livrer à des actes sexuels monnayés avec des mineurs. Ces types veulent des enfants de 10 à 11 ans. C'est ce qu'ils veulent. La réponse à cette question n'est pas bienvenue. Les gens ne veulent pas que je la dise. Ils ne veulent pas en parler. Mais ce qui se passe dans ce pays... Surtout dans ce pays, les États-Unis sont le plus grand consommateur de pornographie enfantine, ou de ce que j'appelle des vidéos de viol d'enfants, parce que c'est ce qu'ils sont. C'est le monde occidental. Les plus gros consommateurs, c'est nous. Et c'est pourquoi ce sont des accros du sexe. Leurs esprits sont tordus et malades pour vouloir ça. J'ai interrogé des dizaines et des dizaines de ces gars-là au cours des 16 dernières années où j'ai travaillé dans ce domaine. Personne ne veut accepter ce que c'est. Ils ne veulent pas y croire. Comment en être arrivé là? Pourquoi souhaitez-vous ça? Pourquoi vouloir des enfants? Ils ont tous la même histoire. J'ai pris un magazine Playboy quand j'avais 12 ans, puis j'ai commencé à m'intéresser au hardcore et encore plus de hardcore. Et puis Internet est arrivé. Lors de ma trentaine. Et oh mon Dieu, en un clic de souris, je pouvais voir tout ce que je voulais. Et puis, les trucs que j'appréciais depuis mon adolescence ont commencé à s'estomper. Je n'avais plus ma dose. Je n'avais plus le sentiment que j'avais quand je regardais un homme et une femme adultes faire l'amour. À peine légal. C'est pourquoi j'ai commencé à faire des recherches sur Google. Ensuite, ça ne le fait plus pour lui. Ok, 16 ans. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. À 16. Voilà ce qui se passe. Tout d'un coup, ils ont 10, 9, 8 et à 7. Et vous pensez que vous ne pouvez pas trouver ce genre de choses en ligne? C'est vrai. Et c'est ce qui crée cette demande. C'est pourquoi John prend l'avion et va à Haïti, en Colombie ou en Thaïlande. Parce que très vite, la pornographie enfantine ne leur suffit plus. Et ils ont besoin d'enfants. C'est pour ça qu'il y a 2 millions d'enfants forcés de travailler dans l'industrie du sexe aujourd'hui. Les gens ne parlaient pas de la traite des êtres humains comme ils le font maintenant. Et c'est vraiment grâce à ce travail et aux efforts d'organisations comme Opération Underground Railroad. Il ne parlera jamais de lui. Mais Tim est un auteur, un conférencier et un professeur très respecté. Il pourrait mener une vie tranquille en faisant cela, un peu comme Indiana Jones. Mais il a une autre facette, celle de sa carrière dans les forces de l'ordre. Il a été un agent respecté des forces de l'ordre pendant de nombreuses années. Et parce que son cœur est si grand, qu'il est si compatissant et qu'il veut protéger tous les enfants, tous les hommes et toutes les femmes du monde, il a quitté le confort de son badge, de sa retraite, de son mode de vie dans les forces de l'ordre, pour créer il y a plusieurs années avec beaucoup de foi Opération Underground Railroad. À l'époque où lui et Catherine l'ont fait, ils ne savaient pas si quelqu'un s'en soucierait. Vous
On ne saute pas dans un avion, on n'entre pas dans un pays en disant « me voilà, où puis-je aller pour sauver quelqu'un ?» Il y a tellement de choses qui doivent être prises en compte. Vous vous débarrassez de votre badge, de votre arme à feu, de votre autorité, de toutes les limites juridictionnelles qui interdisent aux gens de faire cette chose. Mais Tim, il a eu le courage de le faire. Je pense qu'il y a quelque chose à dire sur la persistance de Tim. Je suppose que c'est le mot que j'utiliserai pour lui. Il veut avoir une influence constante dans votre vie. Il est dévoué. Et j'ai remarqué la même chose lorsqu'il est rentré dans le gouvernement, qu'il voulait y entrer, faire une différence et secouer les choses. Vous pouviez voir qu'il voulait y entrer et faire bouger les choses. J'ai grandi en Californie du Sud. J'ai toujours su que je voulais être un agent fédéral. C'est tout ce que je voulais faire. Je ne sais pas pourquoi. C'était juste comme inhérent. Ma famille n'était pas emballée. Mes parents pensaient que c'était fou. Personne dans notre famille n'avait été militaire, ni même dans les générations précédentes, ni dans les forces de l'ordre. Mais c'était juste quelque chose que je voulais faire. Alors je l'ai poursuivi. Tout ce que j'ai étudié les sciences politiques, j'ai étudié les relations internationales, et mon premier emploi après mes études supérieures était à la CIA. J'ai travaillé dans le centre d'opération. Mes études avaient porté sur le terrorisme et les armes. J'ai obtenu mon diplôme d'études supérieures en décembre 2001. Le gouvernement était ouvert aux experts en terrorisme, et c'est ce que je voulais faire. En apprenant ce qui s'est passé le 11 septembre, j'ai appris que l'un des terroristes venait du Mexique, qu'il s'était présenté au port d'entrée en Californie, puis qu'il était retourné dans l'Est et qu'il avait aidé à lancer ses attaques. Je voulais aller à la frontière. Je parlais espagnol. Je me suis dit, je veux aider à enquêter et à me défendre contre les terroristes potentiels qui pourraient nuire à notre pays. Je suis arrivé au bureau de Calexico en Californie. J'avais le job de mes rêves. Je veux dire que j'étais assis à la frontière. Mon bureau donnait sur la frontière. Je pouvais voir le drapeau mexicain flotter devant ma fenêtre. C'était l'époque où on trouvait un tas de tunnels à travers San Diego et tout au long de la frontière en Californie. Je rampais dans les tunnels, c'était génial, mais ça n'a duré que 6 mois environ. Mon patron m'a appelé et m'a dit que nous allions créer un nouveau groupe de lutte contre le trafic d'enfants. Nous savions que de mauvaises personnes transmettaient et recevaient des informations d'exploitation, des informations très très dangereuses, et qu'ils violaient des enfants littéralement en temps réel. Julia, en échangeant ces images et ces vidéos sur des caméras avec leurs cohortes dans le monde entier, ils ont réalisé à quel point le problème de l'exploitation des enfants était absolument omniprésent. Un superviseur l'a contacté et lui a dit « On pense créer un groupe sur les crimes contre les enfants et on veut que tu t'en occupes. » Il est rentré à la maison et m'en a parlé et on s'est dit tous les deux « Ah non, il n'y a pas moyen. » Nous avions 2 petits-enfants à l'époque et cela est tellement horrible. Et on ne pensait pas que c'était quelque chose qu'on voulait amener dans notre maison. Et mon mari a cette lumière, il est capable de voir le bien dans le monde et il a beaucoup d'optimisme, beaucoup de force. Je ne voulais pas qu'on lui enlève ça. Nous élevons une jeune famille et je ne voulais pas que cela disparaisse et donc nous avons pris cela très au sérieux. Ma femme et moi avions juré que la seule chose que je ne ferais pas serait des crimes d'enfants. Alors nous avons dit non. Je me souviens être entré à la maison ce soir-là et avoir dit à ma femme « Tu ne vas pas croire ce qu'ils viennent de me demander de faire !» Et elle a dit « Eh bien tu refuses !» Et j'ai dit « Je ne ferai pas, absolument pas !» Et elle a dit « Nous avons des enfants, tu ne peux pas faire ça !» Et je me souviens d'une nuit blanche, cette nuit-là, et de m'être levé le lendemain matin, de m'être regardé dans le miroir pour m'exercer à mon discours de rejet. Alors que je préparais mon discours, ma femme est venue vers moi, émue, les larmes aux yeux, et elle m'a dit « Nous faisons une énorme erreur ». Elle a dit que la raison pour laquelle je pensais qu'on ne pouvait pas ou ne devait pas faire ça est la raison pour laquelle on doit le faire, parce qu'on a des enfants. Parce qu'on sait ce que l'enfance est censée être. Et si c'est vrai qu'il y a des millions d'enfants qui sont forcés de vivre cet enfer, comment pouvons-nous dire non? Parce que nous avons peur de notre propre douleur, qui n'est rien par rapport à cette douleur.
Mais je lui ai dit que j'avais un droit de veto automatique, que si jamais je voyais quelque chose en lui, ne serait-ce que l'atténuation de sa lumière ou quelque chose d'autre, je devais automatiquement l'arrêter. Et sans poser de questions, il quitterait automatiquement le groupe. Donc j'y suis allé à contre-cœur, j'ai changé mon discours. C'était juste un mot, oui. Et on s'y est mis. Puis, il s'est passé quelque chose qui m'a complètement transformé. Nous faisions des enquêtes sur la pornographie juvénile et l'un des enfants de la vidéo a fait surface et s'est trouvé juste à la frontière où je travaillais. Il n'y a pas longtemps, les autorités américaines ont découvert une vidéo horrible montrant un garçon de 5 ans en train de subir des abus sexuels de la pire façon. Le garçon et sa sœur de 12 ans avaient été kidnappés et faisaient l'objet d'un trafic entre les États-Unis et le Mexique. Tous deux étaient les esclaves sexuels d'un homme monstrueux. Quelque chose est arrivé. La divine providence est intervenue et cela a eu lieu à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le garçon a été vu par un officiel américain qui savait qui il était. Il a identifié le garçon de la vidéo. C'était la première fois que je voyais réellement l'un des enfants de la vidéo. C'était un Américain qui vivait dans la région de Los Angeles. Il avait un grand entrepôt et à l'intérieur de cet entrepôt se trouvait une maison résidentielle. Dans cette maison, il y avait des caméras cachées partout, du porno partout, des jouets partout. Il faisait venir ses enfants pour les désensibiliser et il faisait des vidéos de viols d'enfants. Et quand la poussière est retombée dans l'enquête, ce gamin a couru vers moi. Je me souviens qu'il a sauté dans mes bras et m'a serré. Il tremblait. Et il m'a dit, les larmes aux yeux, en me tenant dans ses bras et en tremblant, il m'a dit, je ne suis pas à ma place ici. Je suis rentré à la maison. J'ai passé la porte et j'ai vu mes enfants courir partout en jouant. Je ne pouvais pas gérer la dichotomie. Mon cerveau ne pouvait pas le supporter, je me suis enfermé. Je veux dire, c'est embarrassant, mais c'est ce qui s'est passé. Je me souviens que mes genoux ont lâché alors que j'étais assis là. La pièce tournait et je me suis effondré comme si j'étais tombé par terre. Et ma femme pensait que je faisais une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Elle a couru vers moi, m'a pris dans ses bras et m'a juste serré. M'a frappé à ma porte un jour. Je garde habituellement ma porte ouverte, mais je pense que j'étais au téléphone. Je n'ai donc pas répondu immédiatement. Je suis allé à la porte, j'ai vu Tim partir et je lui ai demandé « Hey Tim, j'ai fini, entre ». Il était très préoccupé, je pouvais dire qu'il était perplexe. Je pouvais dire qu'il était émotionnellement épuisé, qu'il avait besoin de quelqu'un à qui parler. Il a dit « Écoute, je pense que je peux vraiment mieux faire en quittant le gouvernement ». Si vous avez perdu un de vos enfants à cause de ces personnes maléfiques, vous feriez n'importe quoi pour vous venger et récupérer votre enfant. Ce que certains de nous essayent de faire. Bonjour, Monsieur le Président et estimés membres du comité. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je m'appelle Tim Ballard, je suis le fondateur et le PDG de Operation Underground Railroad. Je pense que nos propres forces de l'ordre dans ce pays doivent s'impliquer plus qu'elles ne le font actuellement. En 2006, avec l'adoption de la loi sur la protection d'Adam Walsh, le Congrès a ouvert la porte aux agents américains pour qu'ils puissent mieux enquêter sur ces affaires, notamment au niveau international. C'est difficile, parce que beaucoup de choses se passent en mer, où ils n'ont pas forcément de juridiction. Cependant, je me suis souvent senti impuissant devant le fait que la grande majorité des enfants victimes que nous trouvions ne relevaient pas de la compétence des États-Unis. C'est très difficile, parce qu'aux États-Unis, nous avons beaucoup de protection de la vie privée, surtout en ce qui concerne les transactions financières. Mais comment obtenir les informations permettant de déceler un modèle de trafic sexuel? Avant l'adoption de cette loi en 2006, pour poursuivre du côté États-Unis, un Américain qui abusait sexuellement d'enfants dans d'autres pays, il fallait prouver que cette personne avait l'intention de violer cet enfant sur le sol américain. Vous pouvez donc imaginer combien de poursuites nous avions eues avant cette loi. Zéro.
À moins de pouvoir relier un voyageur américain à l'affaire, je n'aurais pas pu sauver les enfants, même ceux que nous avons pu identifier comme étant des victimes. Je pourrais néanmoins retrouver les enfants, mais c'est en dehors de la juridiction et je l'ai bien compris. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pourrions pas en faire plus. Cela demande un petit effort, mais c'est ce que nous devons faire. Et nous devons nous battre comme des diables pour essayer de récupérer ces enfants et les mettre sur la bonne voie. Mais dans beaucoup de cas, une fois qu'ils ont disparu, ils ont disparu. Nous devons trouver des partenaires qui partagent les mêmes idées. Est-ce qu'on peut s'entraider? Parce que nous sommes dans le même genre de business. Il y a de grandes listes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Nous vous aidons, vous nous aidez. J'ai rencontré Tim à travers, je pense, une série de coïncidences qui m'ont conduit à l'un de ses livres. C'est un formidable écrivain, un formidable chercheur. Je veux dire, il est vraiment brillant. Je le connaissais donc en tant qu'auteur et nous sommes devenus amis. Mais je ne savais pas qu'il avait cette double vie secrète. J'arrivais, je ne me souviens plus où c'était, mais j'arrivais en ville. Il était en ville et il a dit « Hey, ça te dérange si on se rencontre et qu'on parle ?» J'ai répondu « Bien sûr. Je vais rester dans cet hôtel, pourquoi tu ne viens pas me rejoindre ?» Et il a dit « Pourquoi ne pas nous rencontrer dans une salle de conférence ?» Ok. Je veux que le monde se réveille sur ce qu'il se passe. 2 millions d'enfants sont des esclaves sexuels. Il a passé la main sous sa chemise et il a sorti un badge fédéral. Sur une chaîne, il s'est assis là. J'ai littéralement dit « Est-ce que j'ai des problèmes ? Je vais aller en prison ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est l'entreprise criminelle qui a la croissance la plus rapide au monde. Revenons à l'Amérique du 19e siècle, au problème de l'esclavage. Nous pourrions apprendre du passé. Nous avons éradiqué l'esclavage. Foutaise, nous ne l'avons pas éradiqué. Et il a expliqué ce qu'il faisait et a expliqué qu'il avait besoin de ne plus travailler avec le gouvernement et qu'il avait un moyen pour que nous puissions vraiment avoir un impact. Mais il avait besoin $1 million pour le démarrer. 10 000 dollars pour mettre en place une équipe d'assaut, c'est parti si c'est à l'étranger. Oui, nous avons des équipes d'assaut qui font ça. Ce sont d'anciens Navy SEALs. Ce sont des gens comme moi qui sont prêts à faire ça. Il se trouve que j'étais avec un avocat qui était assis avec moi. Et j'ai posé tout un tas de questions. Mon avocat a dit, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Que se passera-t-il si quelque chose tourne mal, blablabla, si vous levez des fonds, que c'est à la frontière et que ces gars sont... Vous êtes au Texas. Glenn, est-ce que tu vas surveiller et espionner les gens? C'est exactement ça, non? Les gens utilisent l'Internet dans l'intimité de leur propre maison. Je ne condamne pas cette action, je dis juste que... Vous avez tout à fait raison. Je le ferai par le biais de la police et je le ferai en toute légalité. Mais je veux dire, c'est du trafic d'enfants. Tim est l'homme le plus sincère, le plus honnête et le plus honorable que j'ai jamais rencontré. Alors j'ai dit, ok, on va réunir votre premier million. Nous ne sommes pas en train de dire que nous allons devenir une force de police. Non, non, j'ai juste peur qu'ils enfoncent la mauvaise porte et tu sais... Qu'ils l'enfoncent. Je vais promouvoir, je vais faire, je vais développer avec vous mon temps, mon réseau, tout est à votre disposition. J'avais un arrière-arrière-grand-oncle et un arrière-arrière-grand-père qui sont tous deux morts dans le fameux camp de concentration du Sud. Ils se battaient pour le Nord. Je ne le savais pas. Personne dans ma famille ne le savait. Ils se battaient pour libérer les esclaves. Ils l'ont fait. Pourquoi ne pourrais-je pas le faire? Abraham Lincoln, lorsqu'il était aux prises avec la proclamation d'émancipation, la nation ne voulait pas qu'il le fasse. Même dans le Nord, il ne voulait pas qu'il le fasse. Et il a traversé quelque chose. En 1862, son fils est mort. Il est devenu extrêmement empathique, il a même commencé à se tourner vers Dieu et à prier comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Les historiens ont appelé cela une expérience du chemin de Damas pour lui. Puis il a dit contre vents et marées, je vais le faire. Personne dans son cabinet ne voulait vraiment qu'il le fasse. Et il a dit, je le fais.
Il a changé le cours de la guerre et le cours de l'histoire en faisant de la guerre une question de liberté humaine, la libération des captifs. Et tout a changé, ce qui a conduit au 13e amendement, et ainsi de suite. C'est ce que nous devons tous faire. Arrêter d'ériger des murs. Ce sont de vrais enfants et ils n'ont personne. Et si on ne s'ouvre pas, personne ne le fera. Quand on s'ouvre, ça fait un peu de mal. Mais alors, vous devenez tellement plus efficace dans ce que vous essayez de faire. Les idées et l'inspiration, je dirais même que les miracles commencent à se produire lorsque vous faites cela. Opération Underground Railroad est une organisation relativement récente qui n'a qu'un peu plus de 2 ans, mais elle a attiré l'attention des médias avec ses missions de sauvetage d'enfants esclaves à travers le monde. Inde, Haïti, Mexique, ils vont dans les coins les plus sombres du monde et travaillent avec les forces de l'ordre pour sauver les enfants de l'esclavage. Depuis sa création, il y a un peu plus de 2 ans, elle a aidé les autorités à arrêter 157 personnes dans 12 pays différents. Je n'ai jamais rêvé que je travaillerais à Haïti. Et je ne connaissais pas vraiment Haïti. Jusqu'à ce que j'apprenne l'histoire d'un petit garçon né dans l'Utah, citoyen américain, qui a été kidnappé en Haïti dans son église dont son père était le pasteur. Ce petit garçon a été enlevé et il a été kidnappé. Je l'ai vu dans le journal local et j'ai voulu faire quelque chose. J'ai pensé que je pourrais en faire un dossier américain, mais je n'ai pas pu, car ce n'était pas le cas. C'était un dossier haïtien. L'homme, le père de ce garçon que j'ai rencontré, qui a changé mon monde, est Guesno Mardi. Et Guesno est assis ici, juste ici. Guesno, veux-tu bien te lever? C'est Guesno Mardi. Et j'ai tellement de choses à dire sur Guesno. Nous sommes allés à Haïti pour chercher son fils. Mais la seule façon d'aller à Haïti, c'était de quitter notre travail. J'ai dû quitter mon travail parce que je n'avais pas assez de congés. J'adorais mon job. J'aimais travailler pour Homeland Security. Je veux dire, ce sont les meilleures personnes de la planète qui font le meilleur travail. Tous les collègues à qui j'avais soumis l'idée dans la semaine précédente m'ont dit « Tu es fou ! Ne fais pas ça, tu es fou !» Et John Lyne m'a regardé et a commencé par dire « Tu es fou !» Je me suis dit « C'est reparti !» Mais il a dit quelque chose, il a dit « Tu es fou si tu n'essaies pas ça !» Je l'encourageais ouvertement, mais au fond de moi, je pensais « Ça va être difficile, ça va être difficile de quitter la sécurité du gouvernement américain pour aller sauver des enfants dans le monde entier !» Trois ans. Gardi. Il s'appelle Gardi. Ils l'ont kidnappé de l'église où Guesno était le pasteur. Ils l'ont pris, ce petit garçon, et ils l'ont trafiqué. Cela arrive tout le temps en Haïti. Je me souviens avoir lu l'histoire. Il y avait une photo de Guesno, et mon cœur de père a fondu. Il a fondu pour lui. J'ai pensé, je sais que j'ai assez d'expérience pour savoir que très peu de choses sont faites pour retrouver ce petit garçon. Il avait 3 ans quand ils l'ont emmené et maintenant il en a 10. Lorsque cela s'est produit pour la première fois, je ne pouvais pas dormir de la nuit. Je ne pouvais même pas entrer dans ma maison et dormir. Parce qu'en tant que père, mon travail consiste à récupérer mon fils. J'ai passé des mois avant même de pouvoir rentrer à la maison et dormir à l'intérieur. Un des suspects, je le connaissais. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en Haïti, les gens qui kidnappent les autres ne le font pas au hasard. Ils connaissent les victimes, vous savez. Même quand les autorités judiciaires disent qu'elles ne peuvent rien y faire. Une fois, je leur ai parlé et ils m'ont demandé de leur apporter une piste solide. Et ils viendront et feront tout leur possible pour me le ramener. Mais je dois obtenir la piste et je n'ai aucun moyen de le faire. Alors, parfois, quand les gens sont en vacances,
J'emmène mon véhicule dans la montagne et j'essaye d'aller dans un marché public ouvert, essayant d'apercevoir mon garçon. Il peut être là-bas. Et c'est un très long voyage. Je sens que c'est mon devoir, c'est ma responsabilité de le récupérer. Et je ne lâcherai pas. Nous sommes allés à Haïti et nous avons travaillé avec les forces de l'ordre. Nous y sommes allés à la recherche de Gardi et nous ne l'avons jamais trouvé. Ce que nous avons trouvé, c'est deux choses. Nous avons découvert que cet enfant avait été victime de trafic à travers ce qui semblait être un orphelinat. Mais ce n'était pas un orphelinat. Et la police haïtienne nous a demandé d'aller sous couverture avec des caméras cachées et d'entrer dans cet endroit qui vendait des enfants. Ils vendaient des enfants pour 10 000 dollars. Puis ils ont augmenté le prix à 15 000 dollars. Les trafiquants vendaient des enfants et nous avons pu démanteler cette organisation. Nous avons dû acheter deux enfants dans le processus. Nous avons dû acheter deux enfants et ils ont été la clé pour faire sortir les autres enfants. Après avoir fait sortir ses enfants et vu que son fils n'était pas là, j'ai dit à Guesno, je suis vraiment désolé, votre fils n'est pas là. Il y avait 28 enfants qui ont été secourus, mais son fils n'était pas là. J'ai commencé à pleurer et Guesno pleurait, mais il n'a pleuré qu'un petit moment. Puis il a levé la tête et il a dit, tu ne réalises pas ce qui vient de se passer. Et j'ai dit, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il a souri. Et je ne savais pas pourquoi il souriait, parce que c'est un gars très souriant, et il dégage une lumière autour de lui. Mais j'ai appris ce qu'était cette lumière, parce qu'il a dit, « Si Gardi n'avait jamais été kidnappé, alors votre équipe ne serait jamais venue ici. » Et ces 28 enfants seraient à vendre et auraient été vendus. Et j'ai dit, « Oui, je suppose que je n'y avais jamais pensé de cette façon. » Et puis, il a peut-être dit la chose la plus profonde que quelqu'un ne m'ait jamais dite. Il a dit, « Si je dois sacrifier mon fils pour que ces 28 enfants puissent être sauvés, c'est le sacrifice que je suis prêt à faire. » Et c'est à ce moment-là que j'ai su que nous ne quitterions jamais Haïti à cause de l'esprit de cet Haïtien qui, soit dit en passant, est allé au poste de police le lendemain et a dit, « Je ramènerai à la maison n'importe lequel de ces enfants qui ont été sauvés au nom de mon fils. Je les ramènerai à la maison. » Et il a ramené 8 de ses enfants à la maison ce jour-là et est leur père aujourd'hui en Haïti. Et donc, voyez-vous, nous ne pourrions jamais quitter Haïti après cela. Nous avons décidé que nous devions faire plus d'opérations. Nous avons dû creuser plus profondément, chercher Gardi. Plus nous cherchons Gardi, plus il se passe de drôles de choses. À chaque fois que nous cherchons, nous retrouvons d'autres enfants. Gardi est l'enfant dont l'histoire a créé l'opération Underground Railroad. You've been f***ing a little girl. That's what I like. Oh, man, I'm like, I like a little girl. You like little girl? You like little girl? What's the youngest, what's the youngest little girl you've ever f***ed? Like PPTI, old man, I'm playing. Yes. 10? 10 years old? Motherf***er!
J'étais assis face à ces types qui m'ont parlé des enfants qu'ils avaient violés et ils ont ri. Ils ont ri, ils se sont moqués et ils ont dit, tu dois le faire aussi. Et c'était horrifiant, horrifiant. C'était le dimanche du Super Bowl. Et c'est là que l'histoire devient très intéressante. Le dimanche du Super Bowl, beaucoup d'Américains organisent des fêtes avec des ailes de poulet grillées, regardent le grand match. Pendant qu'une organisation locale à but non lucratif, qui lutte contre la traite des êtres humains, a passé son week-end du Super Bowl en Haïti. Timothy Ballard et son équipe de l'opération Underground Railroad ont travaillé sous couverture, en prétendant acheter des jeunes filles à des fins sexuelles. Ballard affirme que les hommes lui ont vendu 20 mineurs âgés d'à peine 11 ans. C'était le dimanche du Super Bowl, le 5 février 2017. Nous avions mis en place cette opération qui semblait se dérouler sans encombre. Dans le cadre de l'opération Underground Railroad, nous voulons toujours nous assurer que si ces enfants secourus ne peuvent pas retourner chez leurs parents, ils seront placés dans des maisons sûres, des orphelinats et des centres de réadaptation contrôlés. Ainsi, notre équipe de suivi, dirigée par Madame Jessica Mass, qui est ici avec nous aujourd'hui, a passé des semaines à faire la liaison avec des partenaires en Haïti. Pas seulement Geno dans sa maison sécurisée, mais d'autres dont les noms ne peuvent pas être divulgués pour leur propre protection. Quand nous allons dans un pays, la première question que nous posons, si la police ou le gouvernement acceptent de travailler avec nous, la première question que nous posons est, quelle est la capacité de suivi dont vous avez connaissance? Ces enfants sont si nombreux, ils n'ont pas de maison où aller. Ce n'est pas toujours une histoire heureuse où l'on dit, oh, ta famille qui t'aime t'attend dans le jardin et les arbres sont là avec de belles fleurs, tu peux les embrasser. Je veux dire, généralement, ce n'est pas le cas. J'aimerais que ça soit ça. Mais généralement, le fait qu'il n'y ait pas de famille ou que la famille fait partie du problème, c'est comme ça qu'ils sont devenus victimes de trafic. Et c'est là que tout le monde se plante. C'est là que nous avons merdé. C'est la partie reconstruction. La fin de l'esclavage était une bonne chose. Maintenant, comment s'assurer que nous fournissons les outils nécessaires pour qu'ils réussissent et aient une chance équitable de vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais connu auparavant? Je ne peux même pas imaginer les cicatrices qu'ils ont. Et être capable de les voir changer de vie, c'est remarquable. Nous avons mis en place toute l'opération. Vous avez vu sur la vidéo le magnifique club Calico Beach. Nous devions jouer le rôle de touristes sexuels très riches et donc nous avions mis en place toute l'opération et ça s'est très bien passé. À son arrivée, la police a arrêté 9 hommes appartenant à 3 réseaux distincts de traite des êtres humains et a libéré 29 victimes. Nos partenaires haïtiens ont fait un travail incroyable. Nous avons procédé à l'arrestation. Nous avons immédiatement amené les filles dans la zone où l'on nous a assuré qu'elles recevraient le soutien dont elles avaient besoin. Nous étions si contents, nous étions ravis à l'idée que ces filles allaient enfin avoir l'espoir d'une guérison. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai reçu l'appel téléphonique. Nous avons malheureusement reçu des nouvelles très frustrantes quelques jours après l'opération. Les trafiquants ont été libérés et toutes les filles ont été relâchées. Ils ont été relâchés. Ils ont été libérés. Ils versent de l'argent aux bonnes personnes, aux juges. Je me souviens, quand nous avons reçu cette note, je me souviens de Jessica Mass. Nous étions en larmes. Nous étions en larmes. Nous ne pouvions pas croire que ces enfants pouvaient à nouveau être mis en danger. Pour la moitié des filles, des membres de la famille se sont présentés. Pour l'autre moitié, des trafiquants se sont présentés pour elles. Ces types qui riaient de viols d'enfants rentraient maintenant chez eux en riant. Nous ne savions pas quoi faire. On a eu de longues discussions avec Guesno et Dimitri, et ils nous ont juste dit, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Il y a de bonnes personnes dans ce gouvernement qui veulent que ce problème disparaisse. Et ce qui s'est passé,
était ce que nous espérions qu'il se passe. Les bonnes personnes qui ne savaient pas ce qui nous arrivait sont venues à nous. Les bonnes personnes sont venues nous voir et nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas cette vérité, qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé et qu'ils ne le toléreraient pas. Et je regarde en ce moment ces braves personnes qui sont venues à nous. Le travail n'est pas tout à fait terminé. Mais il l'est presque, car nous devons maintenant revenir en arrière et arrêter à nouveau chacun de ces trafiquants. Et ce sera un message pour Haïti, pour l'Amérique, pour le monde entier, qu'il y a des gens bien partout qui les défendront. Qu'il y a de la lumière dans ce monde sombre, il y a de la lumière. Et si nous ne devenons pas cette lumière, il n'y aura pas de lumière. Moi, je suis la parole de mon collègue. I was listening to your word. C'est moi qui vous dis merci. I should be the one to thank you guys. Parce que c'est un choix que vous faites pour aller aider dans le pays. Because you choose to come help me in my country. L'envini, moi prends poste commissaire gouvernement. When I become attorney general, moi je viens dossier Calico Beach, trafic d'humains. I saw that case in my office. I saw that case about the trafficking in Calico Beach. Donc, moi te dis, m'a fait avec méthodologie. Un, m'a révoqué juge qui impliqué là-dedans. First deux, m'a pris le planifié une opération pour m'arrêter monde qui était là-dedans encore. First what I said, I'm going to fire all the judges. Second, I'm going to go and get the other people. Moi rencontré le président de la République. I met the president of Haiti, Jovenel Moïse. Pour me dire si on parle pour me faire bataille, ça m'a quitté le job. I tell him if they don't want me to do this work, I'm not going to work anymore. Première partie c'était révoquer juge. The first part was to fire those judges. Moi fini avec ça. And I've done this. Mais en même temps, il envoie des menaces. But at the same time, they try to Okay. Mais j'ai pas peur. But I'm not scared. Parce que moi, je voulais continuer à causer là. Because I want to keep going this cause. Donc, au lieu pour dire merci, m'a plaidé avec vous et puis m'a continué à lutter comme ça. Instead of telling me thank you, I will be working together with you to keep working. Nous allons continuer la bataille là. And we are going to fight. Nous avons enfin de la visibilité sur ce qui se passe. Nous changeons notre procédure. Nous en avons deux d'entre eux. Nous avons toujours besoin de vérifier. Nous allons avoir des équipes de reconnaissance en marche le reste de la journée. Cela limite ce que nous voulions faire durant la journée. Nous préférons ne pas faire d'interpellation sur le bas-côté de la rue. En plein milieu de la journée, il est très difficile de se faufiler vers les gens avec le trafic actuel et de le faire efficacement. Il y a très peu de chances, je parle de 15% de chances d'attraper ces gars. Donc, vous le savez tous, Andrew connaît cette zone où nous allons mieux que quiconque. Il y a vécu une grande partie de sa vie, donc il la connaît. Honnêtement, il la connaît mieux que la police qui nous envoie là-bas. Il connaît cette zone.
En bref, pour que les conditions soient optimales, nos opérations de ce soir se déroulent à Pétionville, qui est un quartier riche de Port-au-Prince, où il y a plusieurs hôtels, beaucoup d'activités de prostitution. Riche est un terme très relatif. Pour Haïti, et c'est l'endroit où les étrangers viennent, si vous êtes un étranger, vous allez venir ici. Vous allez rester très probablement à Pétionville. C'est donc ce qui attire certaines de ces activités néfastes. Des questions sur la région? Nous allons utiliser Google Maps, on a mis des épingles sur tout, donc tout le monde va avoir un bon visuel de la zone que nous ciblons. Ok les gars, pendant qu'on fait ça, les fenêtres sont teintées. Et j'ai vu des lumières à l'arrière. Il ne devrait pas y avoir de lumière à l'arrière, ok? Nous sommes dans un van banalisé. C'est un van qui est utilisé pour les taxis. Dans quelques minutes, je vais devoir baisser mes vitres. Parce qu'il n'est pas normal pour les taxis d'avoir leurs vitres complètement remontées. En un mot, la vue d'ensemble, c'est que nous visons trois cibles différentes, ok? Et que l'une d'entre elles est une femme, c'est notre atout dans toute l'opération. Si tout le reste échoue, on aura cette nana ce soir, elle est ignoble. Andrew peut donner plus de détails. Est-ce que Cho... Est-ce qu'elle va traîner dans la rue? Est-ce qu'elle est une espèce de proxénète? Elle a des prostituées qui travaillent pour elle? Tu sais ce que nous recherchons? Oui, elle est dans le trafic et c'est une patronne. Elle est à la tête d'un cartel. Ok? Elle est comme un capitaine, le capitaine de la mafia. Notre hôtel est juste là. C'est le Best Western Pétionville. Elle se trouve véritablement à deux pâtés de maison d'ici, et un peu plus bas, généralement, mais elle bouge de cet endroit. En quelque sorte, je dirais sur un rayon d'un pâté de maison. Elle traverse la rue, elle traverse la rue. C'est chaud, juste là. Elle traverse la rue avec un pantalon blanc. C'est elle. C'est chaud, juste là. Et Cho a... C'est la numéro 1. Elle a... Elle prostitue des jeunes filles. Et elle a la main sur les filles légales dans la rue qui sont visibles. Mais elle a une petite maison derrière où un des opérateurs a vu des filles mineures. One of our operators has seen underage girls. Savez-vous depuis combien de temps cette voiture est derrière nous? Elle vient juste d'arriver derrière nous. Continuons à avancer, n'y prête pas attention. Et Dimitri, il est possible que nous soyons suivis? Il est possible que nous soyons pris en filature derrière nous? Ah, c'est bon, il tourne. S'il y a des failles dans la logique, là maintenant, n'importe quoi de flagrant auquel quelqu'un pense, c'est le moment d'en finir parce que tout s'imbrique très vite. Et ils garantissent qu'il y a plus de choses à venir. Ce que j'aimerais faire, c'est commencer par une prière. Que penses-tu de ta prière spéciale? Oui, bien sûr. D'accord, on va juste baisser nos têtes et je vais la chanter rapidement. Yivorecha Yehovah vayishmorecha Ya'er Yehovah panav ileicha v'yunecha Yisa Yehovah panav ileicha v'yisim lecha. Shalom. Mais Yehovah bless... Que Yahweh te bénisse et te garde, que Yahweh fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que Yahweh lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Je vais vous apprendre.
Vous devez garder à l'esprit, il y a d'autres personnes dans ces maisons. Ok, c'est la partie dont personne ne veut vraiment parler ou faire, mais la partie que nous devons probablement connaître le mieux. Si quelqu'un se fait tirer dessus, poignarder ou blesser suffisamment gravement pour être transporté à un niveau de soins plus élevé, nous avons un certain nombre de ces kits qui vont être répartis dans les véhicules. C'est ce que nous appelons les kits d'urgence. Est-ce que quelqu'un ici a des notions médicales à part les pompiers? Les soins d'urgence? Ok, alors rien de tout cela n'a d'importance pour vous. Cependant, si à un moment donné, quelqu'un est blessé ou si quelqu'un d'autre risque de l'être, tout le reste doit s'arrêter. Rien d'autre ne compte parce que nous pourrions perdre une personne à ce moment-là. D'accord? Donc les Haïtiens vont faire ce qu'ils vont faire, mais dans ce groupe, nous allons garder cette personne en vie. Donc, le nom de notre cible est Cho. C'est une proxénète qui va se trouver au coin d'une rue à deux ou trois pâtés de maison d'ici. Nous avons l'intention de prendre Cho et d'essayer, si nous pouvons, de l'utiliser pour obtenir des informations. Nous avons 8 autres cibles qui sont dehors et qui ont été bêtement libérées. Nous savons qu'elle a payé 80 000 $ pour trouver quelqu'un qui la sorte de prison. Nous voulons vraiment comprendre d'où elle a obtenu 80 000 $. Nous pensons qu'une organisation criminelle l'aide. Nous sommes allés à sa maison. Elle ne vit pas du tout dans l'opulence. Donc, elle est aidée par quelqu'un. Nous voulons donc savoir qui vous a versé les 80 000 $ et à qui, au sein du gouvernement, vous avez donné ces 80 000 $. En outre, nous voulons juste lui faire une peur bleue. Utilisez la dynamique du moment et la peur. Écoutez, les 5 prochaines minutes de votre vie vont déterminer les 50 prochaines années de votre vie. C'est notre plan. Une fois que les Haïtiens arrivent... C'est leur pays, bien sûr, nous ferons ce qu'ils veulent. Périmètre 1, périmètre 2, tant qu'on a le regard à l'affût des gars armés pendant qu'on est au milieu... C'est le seul but ici. On rend ces choses vraiment simples, hein, écoutez. On ne se jette pas au milieu de l'action. C'est ce que font les bleus, non? C'est ce que font les abrutis. Ils ont un travail, et même s'ils n'aiment pas leur travail, même si ce n'est pas un travail cool, c'est leur foutu travail. Je pense que cela va sans dire que nous ne voulons pas du tout qu'ils sachent où nous restons ce soir. Et nous devons prendre des routes différentes et juste être vraiment familiarisés avec qui est derrière vous et qui pourrait vous suivre, même si c'est une petite moto. Ces gars-là sont les pires. Les motards sont mauvais et ils vont être des informateurs. Donc nous voulons dormir en toute sécurité. Et ceux qui conduisent à l'aéroport demain, nous ne voulons pas de problème. Les gars sont en bas. Nous avons 17 gars au total de mon côté. Parfait. Reconnaissance 1, nous sommes à 3 minutes du déploiement. Ok, le conducteur est en bas, il attend. Là-bas, là où sont les lumières, Kotli, les lumières sont à peu près à l'endroit où elles se trouvent. C'est sa voiture qui se gare. C'est juste là. Ok, prêt? 1, 2,
3. Go, 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 go! Allez devant et bloquez-les. On va boucler ce périmètre. Américain. Je suis un citoyen américain. Tout ça, c'est pour l'énorme sac de préservatifs. Prenez toutes ces preuves. Deux mineurs sur la scène. Vous avez des sex toys, vous avez des préservatifs là-dedans. Combien de gars se sont retrouvés coincés juste là? Tim, est-ce que c'est un problème que nous ayons un Américain? Ils ont dit qu'il était Américain. Je ne pense pas qu'il l'était. Il disait « Je suis Américain ». Donc nous avons obtenu plus que ce que nous avions prévu, c'est certain. Est-ce que nous sommes au quartier? C'est très important, je sais que je l'ai dit, mais ces gars confirment encore une fois que ce sont les filles. Les mêmes filles qu'elle a amenées. Les mêmes filles. Et nous pensons qu'elles vivent avec elle. Elle les garde captives dans sa propre maison. De la façon dont je vois les choses, vous allez aller en prison. Vous allez devoir m'expliquer cela à mon bureau. Cette femme, c'est celle qui a déjà été arrêtée? Oh oui. À Calico Bay? Et la fille? La même fille. Elle a amené le calico. Elles sont mineures. Ok. Dites-leur qu'elles ont 12, 13, 14 ans, que vous les avez prises en flagrant délit. Merci. Vous êtes une inspiration pour nous tous. C'est un autre exemple de la bravoure et de la force du peuple haïtien. L'essentiel pour moi, ces gestes, ça me permet de faire plus d'efforts.
Ce qui est important pour moi, c'est que nous avons fait cet effort. Et nous l'avons fait avec beaucoup de préparation et de travail. Pour continuer bataille parce qu'il faut que nous arrivions. Et je suis prêt à collaborer avec vous pour que nous puissions continuer ce travail afin qu'il n'y ait plus de trafic d'êtres humains. Nous sortons les enfants des antres des cauchemars et ils sont dans une maison sûre. Jessica Mass, notre directrice d'Apticar, est avec eux et ils commencent à s'ouvrir, ils commencent à parler. Et la petite fille, la plus jeune d'entre eux, se met à pleurer. C'est un déchirement. Elle a dit, d'aussi loin que je me souvienne, c'est la première fois que j'ai ressenti de l'espoir. Et elle a commencé à nous raconter comment, à l'âge de 6 ou 7 ans, elle a été kidnappée à la suite du tremblement de terre. Ses parents ont été tués durant le tremblement de terre, comme tant d'autres, et elle s'est retrouvée orpheline sur le champ. Et cette gentille femme arrive, lui dit qu'elle va s'occuper d'elle et de venir avec elle. C'est ce qui s'est passé partout après le tremblement de terre. Dans le cas de Rosie, je veux dire, elle avait 6-7 ans. Shoued l'a attrapée, a promis de prendre soin d'elle, et au lieu de cela, l'a réduite à une vie d'esclavage sexuel. Et c'était tellement fou. Elle a dit, c'est incroyable que vous soyez venu me sauver le 12 janvier. Elle a dit que c'était le 12 janvier, il y a 8 ans, quand le tremblement de terre a frappé. Hey, buddy. Hey, how are you? This little girl. Cette petite fille était dans le pays le plus obscur du monde. Non seulement ça, mais elle était dans le coin le plus obscur de ce pays obscur, se vautrant dans l'enfer, loin de toute personne qui pourrait s'en soucier. You're so big. Il lui a fallu 24 heures après le sauvetage pour parler, parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas croire que quelqu'un viendrait pour elle. C'est qui? Santa Claus. Le Père Noël? Il est venu? C'est ce que nous essayons de faire ici. Nous allons intentionnellement dans les coins les plus sombres de la planète, là où il n'y a aucun espoir, et où nous trouvons ces enfants. Est-ce que ça fait? Vous savez, à part libérer les enfants, ce que ça fait, c'est donner de l'espoir à tout le monde maintenant. C'est énorme. Je veux dire, là où il n'y avait aucun espoir, il y a de l'espoir partout. Si nous pouvons continuer à développer nos opérations et à obtenir le soutien dont nous avons besoin, il y a de l'espoir partout pour la première fois. Ok, poussez-vous, on va discuter. On va discuter ici. Ok. Comment tu t'appelles? Hey, comment tu t'appelles? Hey. Quel est ton nom? Your name. Pas encore. Your name. Wait, no. Pas encore. Not yet. Comment tu t'appelles? Colline Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Cadet. Colline Jean-Baptiste Cadet Baya. Yeah. Tu sais quoi ton nom, mon grand? Jean-Baptiste.
Nous avons découvert que les trafiquants vendaient des enfants et nous avons pu démanteler cette organisation. Et nous avons dû acheter deux enfants dans le processus. Nous avons dû acheter deux enfants. Et ils ont été la clé pour faire sortir les autres enfants. Et nous avons raconté cette histoire de nombreuses fois. Mais ce qui est spécial à propos de ces deux enfants, c'est que j'ai formé un lien spécial avec eux. Et quand nous conduisions de l'orphelinat à l'hôtel, ce petit garçon a sauté sur mes genoux. Et je suis censé jouer ce, vous savez, dur criminel. Après le sauvetage, ma femme et moi n'avons pas arrêté de penser à eux, lui et à sa sœur. C'était les deux enfants. Et donc nous avons commencé à travailler pour les adopter. C'était il y a presque 4 ans. Et je viens de recevoir l'email aujourd'hui. Le décret est sorti du parquet et leurs noms sont maintenant Ballard. Ce sont mes enfants. Si je vivais en Haïti, je pourrais les emmener à la maison maintenant. Donc tout ce que nous devons attendre maintenant, c'est les passeports et les visas et tout ça. Et ensuite, ils reviendront dans l'Utah. Where's Colleen Kling gonna sleep? We have one extra bedroom, right? Yeah, where's Daniel gonna sleep? He's gonna sleep with the boys. He's gonna bunk with the boys. Good look. Il y a des jours où Tim et moi nous nous disons, mais quoi? Pourquoi avons-nous tous ces enfants? Mais c'est juste que vous regardez ce petit gars et il est tellement aimé. Et juste en vertu du fait qu'il est né dans une famille, et cela lui donne automatiquement accès à cet amour auquel nous n'avons même pas à penser. C'est juste là. Et il y a tellement d'enfants dans le monde qui n'ont pas ça. Et il ne devrait pas y avoir autant d'abus avec autant d'enfants dans le besoin. Je vais le retrouver. Je ne veux pas en parler parce que je sais que je le retrouverai. Je le trouverai. Un jour, il se passera quelque chose. Je le trouverai.